Le temps est court. Chaque année qui finit chaque coucher du soleil chaque tic-tac de la pendule raccourcit le temps que tu dois passer sur la terre. Et doucement, silencieusement, mais alors très sûrement, tu es amené vers l'éternité et vers Dieu. L'année passe, le mois passe, le jour passe, l'heure passe, la minute passe, et la seconde arrive bientôt qui terminera ta vie sur la terre. En effet, le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Inéluctablement, il t'emporte vers l'éternité. Une éternité que tu n'as peut-être pas préparée. Aujourd'hui, tes pieds se tiennent sur le sable mouvant du temps. Demain, l'empreinte de tes pieds restera peut-être. Mais toi, tu seras parti. Parti où? Dans l'éternité. Aujourd'hui, tes pieds sont occupés. Tes mains sont occupées et même trop occupées par le travail. Aujourd'hui, tes yeux voient, ton esprit pense, tu es rempli d'ambition, tu fais des plans et des projets pour l'avenir. Dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 50 ans. Demain, tout sera silencieux. Ton bras sera sans mouvement. Ton œil sera fermé. Et tu seras parti. Parti où? Dans l'éternité. D'autres personnes comme toi ont été ambitieuses. D'autres personnes comme toi autrefois étaient occupées. D'autres personnes comme toi étaient en bonne santé hier. Ils étaient insouciants et insoucieux comme toi. Mais à l'heure où nous parlons, ils sont partis. Partis pour l'éternité. Ils sont partis pour un voyage aller simple. Ils sont partis pour un voyage sans retour. Ton tour d'entrée dans l'éternité arrivera bientôt et c'est sûr. Sois-en sûr, tu ne peux t'y opposer, de même que personne n'a pu le faire. Maintenant, interroge-toi
toi-même. Demande-toi honnêtement, suis-je prêt pour l'éternité? Beaucoup comme toi ont pensé autrement. N'essaie pas d'esquiver cette question fondamentale, comme beaucoup d'autres. N'essaie pas d'esquiver ce qui va t'arriver assurément. Donne à ta conscience le temps de répondre à la question de l'éternité. Ne l'étouffe pas des philosophies de ce monde. N'étouffe pas ta conscience, pas des raisonnements de ce monde. Écoute, si ta conscience te parle aujourd'hui et maintenant, si elle te demande de tenir compte de l'éternité, n'étouffe pas sa voix, de peur qu'elle ne se fasse plus entendre. Mais dans ce cas, plus tard, dans l'éternité, elle va se faire entendre. Elle se tiendra du côté de Dieu pour t'accuser toute l'éternité durant. Pense donc à ta vie. Pense à l'éternité. Le ciel et l'enfer se montrent devant toi dans toute leur réalité. L'un des deux sera ton habitation éternelle. C'est donc aujourd'hui le moment de faire ton choix. Demain peut-être sera trop tard. En effet, un jour d'hésitation, je le dis, un jour d'hésitation de plus pourra devenir un jour de trop et donc un jour trop tard. Et le Seigneur va te dire en ce jour, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Pense à ta vie. Pense à l'éternité. Quel est le but de ta vie? Manger? Boire? Fumer? Et trempé dans toutes sortes de plaisirs malsains. Oh, comme c'est horrible cette vie. Une vie sans planification. Une vie sans avenir. Que je te dise en ce moment. Comment accomplis-tu ton voyage sur la terre? En effet, comme tout voyage, il y a un point de départ, mais aussi il y a une destination. As-tu pensé à ta destination finale après la mort? Sera-ce le ciel ou l'enfer? En effet, ce sera le ciel ou l'enfer? Selon ce que tu auras fait de ta vie maintenant. Si Christ est ton sauveur aujourd'hui, la destination est certaine, c'est la cité céleste. Mais si Christ n'est pas ton sauveur, il sera ton juge demain et en pareil cas, ta destination c'est la perdition éternelle. Ton voyage sur la terre bientôt sera terminé.
Ah oui, je te le dis, ce sera bientôt terminé. Cela ne dépend pas de toi. Mais alors, réfléchis, réfléchis un instant et ne sois pas insensé. Le temps t'emporte. Oui, le temps t'emporte, semblable à un songe qui le matin passe comme l'herbe, comme une vapeur emportée par le vent. Oui, le temps de ta vie sur cette terre est si court. Il passe comme une fleur. La fleur, elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Tous les jours de ta vie sur cette terre, quel que soit le nombre, ils vont disparaître. Quel que soit le nombre de tes années sur cette terre, elles s'évanouissent comme un son. Tes années sur cette terre, quel que soit le nombre, elles disparaissent comme une vapeur emportée par le vent. En effet, il est écrit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Car elles passent vite et nous nous envolons inéluctablement vers l'éternité. Et puis, parmi les enfants qui sont nés ce matin dans les hôpitaux, d'autres sont morts l'instant d'après. Et donc, face à la mort, la notion d'âge importe peu. Car cette mauvaise façon, c'est de renvoyer sa mort à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 100 ans, en disant, je suis encore jeune, je n'ai que 20 ans, je n'ai que 10 ans, je n'ai que 50 ans. Mais non, c'est une erreur monumentale. Cher ami, que le Seigneur t'enseigne à bien compter tes jours, afin que tu appliques ton cœur à la sagesse. Pense donc à ta vie, pense à l'éternité. Tu ne pourrais pas entrer dans le royaume de Dieu avec un casier judiciaire tel qu'il est maintenant, plein de vices, de débauches, de cupidité, de mensonges, de meurtres, d'envie, de calomnie, de haine. Bref, tu ne pourrais entrer dans le royaume de Dieu avec un casier judiciaire noirci par le péché. Ne fais pas comme d'autres personnes. Bien des fois, beaucoup pensent et se laissent berner par des illusions. Ils croient que par leur générosité et leur bienfaisance, ils peuvent gagner la confiance de Dieu. Non, jamais, ce n'est pas possible. Dieu est incorruptible. Ce serait la pire des manières de se préparer pour l'éternité. Pas le bien et la bienfaisance et autres. Toutefois, en gardant un casier judiciaire sale. Bien d'autres, à tort, pensent au cycle de mort et de renaissance, où ils vont aller d'amélioration en amélioration jusqu'à atteindre la perfection. Comme c'est faux. Ah oui, comme c'est faux. Selon qu'il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Cessez donc de vous tromper. Le Seigneur Jésus-Christ a dit,
Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il précise, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, qu'est-ce que cela veut dire? Et d'une manière claire, c'est cette transformation profonde et radicale que seul le Saint-Esprit produit en une personne. C'est naître de Dieu. C'est naître d'en haut, car en ce moment, nous sommes nés de la chair par nos parents. Et la chair ne peut hériter le royaume de Dieu. Par conséquent, il faut naître de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le fait sur la base de l'œuvre de Christ à la croix du calvaire. Car là, Christ a porté nos péchés. Il a fait, donnant à quiconque croit en lui, la possibilité de revêtir sa justice, sa vie, et donc d'avoir la vie éternelle. Cher ami, voici les choses auxquelles il faut penser et de toute urgence, c'est-à-dire maintenant. Ne remets pas à demain, parce que le temps t'emporte rapidement vers l'éternité. Je le dis avec insistance, c'est une question de maintenant et non de demain. Car, assurément, demain pourrait être trop tard. Es-tu né de Dieu et prêt pour le ciel? S'il en est ainsi, gloire à Dieu. Dans le cas contraire, arrête-toi un instant. Oublie toute autre chose. Les affaires, l'argent, la famille, la société. Oublie un instant. Assieds-toi un instant et réfléchis. Pourquoi rencontrerais-tu Dieu avec une âme non sauvée? Mais sache-le bien, rien d'impur n'entrera au ciel. Si ton âme est noire et impure, tu ne pourras entrer dans la félicité éternelle. Ah, dans ce cas, si ton âme est noire, ton éternité sera faite de ténèbres, de pleurs et de grincements de dents. Je ne le souhaite pas pour toi, cher ami. Et puis, il y a la bonne nouvelle. La meilleure des bonnes nouvelles qui puisse exister, qui ait existé. Ne sais-tu pas que Dieu t'aime et qu'il veut que tu évites cette perdition éternelle? Aujourd'hui encore, le Seigneur te presse d'être réconcilié avec lui. Tournez-vous vers moi, dit-il, et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Maintenant, regarde à la croix du calvaire. Car à la croix du calvaire, le Fils de Dieu a été élevé, crucifié. C'est pour toi qu'il a fait, afin que tu sois sauvé du péché, sauvé de la mort, sauvé de la mort de l'enfer, sauvé de la perdition éternelle. Le Seigneur dit, j'ai effacé comme une nuée épaisse tes transgressions. J'ai effacé comme une nuée tes péchés. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Voilà pour toi la bonne nouvelle. L'erreur fatale pour toi maintenant, cela consisterait à périr pour tes péchés et dans tes péchés, alors que quelqu'un a payé le prix
de ta libération. Et c'est Jésus-Christ. Il est donc anormal que tu ailles en enfer pour une dette qui a été payée. Juste parce que tu as été insoucieux, inconscient et négligent, remettant à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Oui, c'est pour toi que le Seigneur Jésus a été cloué sur la croix. C'est pour toi qu'il a enduré les jugements de Dieu contre le péché. Comme résultat final, il te donne aujourd'hui et maintenant un salut gratuit, parfait et total. Ne remets pas à demain. Demain ne t'appartient pas. Beaucoup comme toi ont remis à plus tard l'occasion de leur salut. Et ils ont été déçus. Ils se sont réveillés dans l'éternité sans réconciliation avec Dieu. Je prie qu'il n'en soit pas le cas pour toi aujourd'hui. Et donc, pense à ta vie, pense à l'éternité. Et c'est ici le témoignage vrai. Dieu a préparé pour toi la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Accepte donc aujourd'hui et maintenant, ce témoignage pour être sauvé, afin d'entrer bientôt dans l'éternité glorieuse. J'insiste, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tu n'es pas maître de demain. En effet, le temps est court. Le temps est court. Il s'en va, il s'envole en t'emportant vers l'éternité. Demain ne t'appartient pas. Selon qu'il est écrit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Beaucoup, pour n'avoir pas maîtrisé cette réalité, ont remis à plus tard ce qu'ils devaient faire aujourd'hui. Et malheureusement, ils sont passés de vie à trépas sans préparer l'éternité. Et ils ont atterri tout droit en enfer, loin de Dieu. Et donc, pour toi, cher ami, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. À travers ce message, ici et maintenant, si tu entends la voix du Seigneur, ne résiste pas. Cesse de lutter. Car pour toi, voici maintenant ton jour de salut. Voici maintenant ton jour de délivrance. Voici maintenant l'occasion que le Seigneur te donne pour être réconcilié avec lui. Ne remets pas à demain. Demain pourrait être trop tard, comme c'est le cas pour plusieurs personnes qui ont été insensées pour rejeter l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Oh, comme c'est lamentable de le dire. Par cette occasion, le Seigneur te tend la main. Je prie que tu brises toute résistance. Je prie que tu surpasses toute hostilité, tout endurcissement en toi pour passer entre les mains du Seigneur. Ô Dieu, beaucoup m'ont écouté. Et pendant longtemps, ils ont résisté. Ils ont une occasion de grâce maintenant. Père, voici le jour du salut. Voici le jour de délivrance. Mon Dieu, je prie que personne ne résiste à ce message. Laisse-toi faire. Saint-Esprit, saisis-toi d'eux au nom de Jésus. Et brise toute cécité, brise tout endurcissement dans le cœur de ceux qui nous ont écoutés de par le monde. Saisis-les, Père, car tu es venu chercher et sauver ce qui était perdu. Saint-Esprit, il n'y a que toi pour convaincre du péché.
je te les présente. Ces milliers de personnes qui écoutent ce message, Père, par la puissance du Saint-Esprit, brise toute forme de procrastination qui consiste à remettre à demain ce qu'il peut faire maintenant. Ô Père, manifeste-toi dans ta grâce. Mon Dieu, manifeste-toi dans ta miséricorde, dans la vie de cette multitude. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Là-bas de ton côté, si tu le fais, gloire à Dieu. Et comme je le dis toujours, rendez-vous au ciel, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.